Je me présente Kevin Michelon, je suis là à la section bois au lycée du François. Je vais vous présenter une de nos réalisations d'atelier. Avant de démarrer la machine, j'ai mis la soufflerie en marche. J'ouvre la vanne d'air comprimé. J'allume la tonneuse. J'ai mis en place l'outil pour fabriquer la lumière. Pour faire tout ça, j'utilise le document guide. Elle est déjà sous tension. Comme ça. Tout est fait. C'est bon. J'ai mis ce que c'est bien. Je procède aux différents réglages. Je vais faire la réunion avec les pieds à coulisses. Avec la même machine, je réalise une languette. Je vérifie que la réunion et la languette correspondent. Ensuite, donc ça c'est pour le dit. Et là, on étudie le dossier technique avec le professeur pour poser le plancher. Voilà, mise en œuvre, donc coordination du chantier. Chacun remplit son dossier. Nous préparons tous les outils pour le chantier. Une fois sur le chantier, nous agrafons les géotextiles sur le solivage. On présente la première lame. On la fixe. On raboute les lames entre elles. On ajuste la longueur des lames. Voici comment réaliser et poser un parquet en bois.